Bonjour à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une courte vidéo d'environ une demi-heure de yoga doux, presque yin yoga, juste pour détendre les tensions, juste pour relâcher les hanches. On va venir ouvrir, relâcher, se détendre, se faire du bien. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses aujourd'hui. Moi j'ai pris des coussins au cas où j'ai envie de me soutenir un petit peu. J'ai fait mon petit bolster fait maison, c'est un tapis que j'ai enroulé d'une couverture, donc sentez-vous libre de faire votre petit bolster maison avec votre meilleure couverture. Vous trouvez un petit espace où vous pouvez vous sentir bien et confortable pendant cette demi-heure, et puis on y va tranquillement. On va poser les mains sur les genoux pour attaquer. On va venir monter les épaules vers le plafond, inspirez. Expirez, vous tirez les épaules vers l'arrière et vers le bas. On va le faire encore deux fois. Inspirez, montez. Et expirez, tirez les épaules vers l'arrière et vers le bas. Une dernière fois. Inspire, monte tes épaules. Et expire, tire vers l'arrière et vers le bas. On va prendre une seconde ici, juste de ressentir les ischions, les os des fesses qui sont posés dans le sol, les épaules qui vont se relâcher, le haut du crâne qui va aller vers le plafond. Et laissez la concentration juste se poser. Laissez tout ce qui vous entoure un petit peu être mis à l'écart, là, pendant quelques instants. Si vous avez encore les yeux ouverts, fermez-les encore quelques secondes, juste pour tourner votre attention sur ce qui se passe à l'intérieur. Puis si vous avez du mal à vous centrer, sentez-vous libre de poser votre main sur votre cœur, comme si vous vouliez physiquement vous rapprocher de vous-même, de vos sensations, de vos émotions. Tiens, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez frustré, énervé, ou au contraire plutôt calme et serein? Juste prenez cette seconde-là pour arriver dans votre pratique. Si vous avez une intention à poser à votre cours, à votre séance d'aujourd'hui, c'est le moment de le faire. Une intention, c'est une phrase courte, quelque chose qui est vraiment important pour vous aujourd'hui, que votre pratique va pouvoir aider au-delà du tapis. Et quand c'est ok, posez les mains en prière devant votre cœur. Inspirez complètement. Et expirez, lâchez. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et vous allez vous placer dans la première position ici. On va rester au moins deux belles minutes, trois belles minutes dans cette première position. C'est la position du diamant. Donc on va mettre les pieds ensemble, on va mettre les genoux qui vont tomber sur les côtés. Peut-être qu'ici vous allez avoir besoin, pour certains, si c'est trop intense, de mettre des coussins de chaque côté. Même si vous sentez qu'aujourd'hui vous avez besoin de plus de support, juste plus de soutien globalement, bien mettez des coussins, ça fait beaucoup de bien au moral. Peut-être un bolster devant vous. Puis on va prendre une belle inspiration ici. Et on va expirer, on va lâcher vers l'avant tout doucement. Prenez le temps, je ne sais pas à quelle heure vous allez faire cette pratique. Mais parfois, quand c'est le début de sa pratique, on est un petit peu tendu dans le bas du dos. On peut avoir des tensions un petit peu dans les épaules. Juste prenez le temps de laisser le corps se poser. Alors évidemment, certains d'entre vous iront beaucoup plus loin. Ici, si vous allez beaucoup plus loin, posez les avant-bras sous les tibias. Relâchez la tête.
pour moi c'est un peu trop intense. Je remets mon bolster. Et on peut imaginer poser la tête dans les mains, les coudes sur le bolster. Et ici, on va relâcher, on va venir se détendre complètement. On va laisser la colonne vertébrale juste s'étirer, les épaules se relâcher. Prenez le temps de trouver la bonne hauteur, la bonne amplitude pour que ce soit ni trop simple, ni trop compliqué. Juste que vous puissiez sentir l'effet de l'étirement, l'effet du relâchement, soulager les épaules. Inspirez. Et expirez. Observez votre respiration qui s'allonge. Puis tout doucement, vous allez dérouler la colonne vertébrale. Prenez le temps. Prenez le temps tout doucement de vous aider de vos mains, de remonter. Repoussez le bolster. Aidez-vous de vos mains sous les genoux pour ramener les genoux ensemble. Ouvrez les pieds de chaque côté du tapis. Posez les mains derrière vous, ouvrez le cœur. Puis allez chercher de chaque côté tranquillement. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Doucement. Quand on est là, on va poser les mains sur nos genoux, on va aller chercher des dos ronds, dos creux. On va venir inspirer, on va monter sur nos ischions, on va venir tirer tranquillement le ventre entre les fémurs, ouvrir le cœur, monter le menton. Expirez, venez tirer le cœur vers l'arrière, enroulez le dos le plus possible. On le refait encore. Inspirez. Toujours par les narines, autant que possible. Et expirez. Je dis par les narines et je le fais par la bouche. Inspirez. Et expirez. Si vous sentez le besoin de faire des plus grandes, des plus longues inspirations, sentez-vous libre de le faire. Par exemple. Tranquillement. Inspirez, revenez au centre. Vous allez ramener votre jambe droite en dedans, je me mets face à vous. Et vous allez ouvrir votre jambe gauche sur le côté. Option un tout petit peu plus intense, venez étirer le genou derrière vous. Ici, on peut se sentir libre de poser un coussin sous les fesses ou simplement rester là. Moi, de nouveau, j'ai vraiment envie de prendre ces options aujourd'hui, de mettre un coussin devant moi. Je vais venir prendre une belle inspiration ici. Les deux ischions restent au sol. Et on expire, on plonge vers l'avant tranquillement. On relâche. De nouveau, on est là pour trois belles minutes. Donc de longues respirations. On va relâcher les épaules. De nouveau, si par exemple vous ne pouvez pas aller aussi loin que ça, ben on peut peut-être poser la tête sur le coussin, relâcher. Ou simplement rester là. Trouvez l'amplitude qui vous correspond. Et laissez vraiment chaque point de votre corps en contact avec le sol se relâcher, vous aider à vous vraiment à vous détendre dans la posture, à revenir à cette respiration dès que c'est nécessaire, dès que votre esprit divague un peu trop loin. Tiens, qu'est-ce qui se passe en moi en ce moment? Comment c'est pour moi cette posture-là?
Inspirez. Et expirez. Encore une dizaine de respirations ici. Prenez le temps. Pour soulager. Vous avez une musique que vous aimez, une playlist, si vous ne l'aviez pas mise, vous pouvez très bien la mettre en attendant juste de se détendre complètement. Et tout doucement. Et aidez-vous de vos mains. Remontez tranquillement. Déroulez la colonne. Évidemment, si vous voulez rester plus longtemps, vous avez juste à mettre pause dans la vidéo et vous laisser emporter quelques minutes dans chacune de ces postures. Respirez complètement. Lorsqu'on est là, on va venir s'aider de notre main gauche pour plier le genou et faire tranquillement passer le pied gauche au-dessus du pied droit et venir fermer ici. Donc si, par exemple ici, vous sentez que hop, la fesse n'est pas posée, sentez-vous libre de mettre un coussin sous les fesses, de vous surélever, voire de tendre la jambe droite, du coup pour nous, pour trouver la position la plus confortable où il n'y a aucune tension dans les genoux et où les deux ischions sont au sol. Lorsqu'on est là, on va inspirer, on va grandir les bras, puis on va expirer, on va passer le bras droit sous le bras gauche. On va venir enrouler complètement, on va chercher... ici, le bec de l'aigle. On descend, on soulage les épaules, on inspire, on monte. Et on expire, on va chercher le dos le plus rond possible. Encore deux. Inspirez. Et expirez. Descendez les épaules une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez, remontez les coudes, relâchez les mains, tirez les bras vers le haut. Et expirez, rentrez le menton en dedans, tirez les coudes vers l'arrière et vers le bas. Ouvrez le cœur. Encore deux. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Vous allez poser la main gauche à l'intérieur de votre genou, la main droite derrière vous. Et tout doucement, vous allez venir ouvrir, regard vers l'arrière. Inspirez, vous remontez. Et expirez, vous faites la même chose de l'autre côté, tranquillement. Inspire, monte. Expire, descend. Les mouvements, ils sont amples, ils sont tout le long de votre respiration. Plus vous respirez longuement, plus c'est confortable. Encore. Inspire pour le dernier de chaque côté. Expire, relâche. Inspire. Et expire. Inspire, remonte. Cette fois, expire. Pose les deux mains vers l'intérieur, vers ta droite. Et ici, on laisse les pieds là où ils sont posés. On va tourner autour de nous-mêmes. On laisse les pieds, on tourne autour de nous-mêmes. On vrille en fait sur nous-mêmes. On vient se dévisser, se revisser pour pouvoir se rasseoir tranquillement dans l'autre sens. Donc cette fois, j'ai le genou gauche bien sous le genou droit. Attention, ce n'est pas la voûte plantaire qui est posée, c'est vraiment l'extérieur de mon pied qui va être posé au sol. Je peux avoir plus ou moins d'ouverture. Inspire, ouvre les bras. Et expire, pose le bras gauche, le coude gauche sous le coude droit, dos de main ensemble, puis la main gauche devant la main droite. On y va pour trois respirations. Inspire, monte les coudes. Et expire, tu enroules.
Inspire, monte. Expire. C'est vraiment dos rond, dos creux ici, encore une fois. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, tu remontes. Tu ouvres les bras. Puis vers la gauche. Expire. Prends le temps. Inspire. Sens-toi libre de rester à un endroit si tu as besoin. Expire. Encore. Inspire. Sens que la respiration part dans le bas de ton ventre. Et expire. On ramène le bas du ventre vers la colonne. Inspire. Et vers la droite. Encore. Inspire. Et vers la gauche. Une dernière fois de chaque côté. Expire. Relâche bien les épaules. Inspire. Et expire. Inspire, monte les deux mains. Expire, pose tranquillement les mains au sol. Ici, deux façons de remonter. La plus simple étant, je bascule tranquillement sur mon côté gauche. Je viens ouvrir tranquillement ma jambe droite sur le côté. Et je vais retrouver ma posture d'ouverture. Je remets mon coussin si c'est nécessaire. Moi, j'aime avancer un petit peu mon pied, notamment si vous êtes enceinte, ça peut gêner un petit peu. Je viens vraiment avancer un tout petit peu mon tibia ici pour créer un tout petit peu d'intensité aussi dans les fessiers. Et on prend une belle inspiration pour 3 minutes. On expire, on descend. Sentez que l'ischio ici ne monte pas. Posez votre hanche au sol. Ouvrez, relâchez les muscles. Relâchez les mollets, relâchez les épaules. Sentez, parfois on a un côté qui est plus simple que l'autre. On peut avoir une épaule plus détendue que l'autre. Et on va se poser. Relâche la mâchoire, l'espace entre les deux yeux. Relâchez tranquillement l'espace des yeux, le troisième œil entre les deux yeux. Parfois on a tendance à froncer les sourcils sans qu'on s'en rende compte. Relâchez la mâchoire. Prenez le temps. Peu importe où vous mettez, trouvez l'immobilité. Trouvez votre souffle. Comment est-ce que vous respirez ici? Une dizaine de respirations. Pousse les ischions dans le sol. Allonge ton souffle vers l'extérieur. Inspirez. Lâchez. Encore une fois. Doucement. Prenez le temps de remonter. Encore une fois, si vous avez envie, besoin de rester allongé beaucoup plus longtemps dans cette posture, mettez pause le temps dont vous avez besoin avant de me retrouver, de remonter toujours tout doucement. Pensez à vos transitions comme quelque chose d'hyper important dans votre pratique. On dit souvent que les transitions sont comme les changements dans la vie. Comment est-ce que vous les gérez, vous? Puis, avec votre main droite, ramenez vos genoux ensemble. De nouveau ici, alors moi je peux pas, mais vous pouvez sûrement serrer les deux genoux. Ou entrelacer ici, mettez l'intérieur de vos genoux
l'extérieur de vos genoux à l'intérieur de vos coudes, entrelacez les doigts, relâchez la tête. Tout doucement, tranquillement. On va ramener les pieds en dedans. On va passer dans notre quatre pattes. On va venir un petit peu bouger le bassin avant d'aller chercher les deux dernières postures pour aujourd'hui. Donc on va passer dans notre posture de l'enfant. On ouvre un tout petit peu plus les genoux. On pose les hanches sur les talons. On vient tirer les mains vers l'avant. La posture de l'enfant. Dans des yogas plus dynamiques. Alors moi, je reste un petit peu plus haute, mais vous, sentez-vous libre de vraiment relâcher, de poser le front au sol. Dans des pratiques un peu plus dynamiques, ce serait une posture de repos. Mais lorsqu'on est en yin yoga, qu'on reste suffisamment longtemps dans la posture, on va commencer à sentir que c'est une ouverture de hanche, que c'est une ouverture de cœur. On vient vraiment travailler au niveau profond de notre structure. Sentez le bassin qui vient se poser sur les talons, la colonne qui s'allonge. Relâchez les yeux. Peut-être qu'un jour le cœur se posera au sol. Peut-être que pour l'instant vous avez besoin de mettre un coussin pour compenser. Et puis on va planter les mains dans le sol. On va utiliser les jambes pour, dans l'expiration, monter dans un quatre pattes, le dos le plus rond possible. Ramenez les genoux sous les hanches, projetez les orteils. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, enroulez. Encore. Inspire, ouvre le cœur. Tire les épaules vers l'arrière. Allonge le haut du crâne vers l'avant. Et expire, enroule. Une dernière fois. Inspire, crochette les orteils. Ouvre. Expire, dos rond. Puis tout doucement. Ramène les hanches sur les talons, déroule la colonne vertébrale, viens t'asseoir. On va aller dans la posture de la grenouille. La posture de la grenouille, elle peut être un petit peu plus intense. Donc je vais vraiment vous inviter à vous mettre peut-être sur la longueur de votre tapis ou vous mettre carrément une couverture sous les genoux pour pas être directement au sol si vous avez du carrelage ou du parquet. Dans la posture de la grenouille, on va venir ouvrir les genoux le plus possible à l'extérieur. Et on va aligner les tibias. Et les orteils vont venir regarder de chaque côté vers l'extérieur. Ici, si vous avez besoin, vous glissez votre main sous le genou. Alors moi, je peux aller très très loin, mais je vais éviter avec la grossesse. D'ailleurs, si vous êtes enceinte et que vous pratiquez cette posture-là, soyez extrêmement vigilante à ne pas aller trop loin. D'accord ? Donc sur les côtés, je vous montre ce que ça donne. Vous aurez les pieds hop, à 90 degrés et pas en dedans. Sinon, c'est plus la même posture. Ça peut être aussi intense, mais c'est plus la même posture. Lorsqu'on est là, on va venir essayer déjà de sentir qu'on est à l'amplitude maximale. On est vraiment encore en train de se placer. Alors moi, je mets du temps à me placer dans les postures, c'est normal. Je vais poser mon bolster ici. Je n'ai pas les fesses qui vont venir trop en avant, ce serait beaucoup trop simple. Je vais tirer légèrement les hanches vers l'arrière et rétroverser mon bassin pour sentir l'étirement qui se crée à l'intérieur des cuisses. Un jour, on posera complètement le corps au sol. Peut-être pas aujourd'hui. Et si vous êtes bien, alors vous relâchez tranquille. Ici, la respiration, elle va être cruciale. C'est une posture dans laquelle vraiment il peut se passer énormément de choses. On peut avoir de l'énervement, on peut avoir, hop, moi je resserre un petit peu, on peut avoir un espèce de soulagement. Si c'est pas confortable sous les genoux, hop, on rajoute une couverture, on rajoute un coussin, on cède. Vraiment, on n'hésite pas.
Et observez ici comment c'est pour vous. Est-ce qu'il y a la mâchoire qui s'est tendue? Est-ce qu'il y a le cœur qui est un petit peu monté? Respirez. Tournez bien tranquillement les ischions vers l'arrière. On les allonge vers l'arrière, les os des fesses, comme si on voulait allonger l'espace du dos. Prenez le temps de trouver la bonne posture et le relâchement. Inspirez et expirez. L'intensité, elle n'est pas faite pour que vous vous battiez contre, elle est faite pour que vous puissiez être guidé exactement là où vous avez besoin d'être. Prenez ce temps-là, c'est hyper important. Une dizaine de respirations ici. Imaginez qu'à l'inspiration, vous pouvez regrouper toutes les ressources que vous avez déjà à l'intérieur et qu'à l'expiration, vous pouvez les envoyer là où c'est le plus intense dans votre corps. Inspirez. Pour sortir de la posture, je vais vous inviter simplement à glisser vers l'avant. Soyez très vigilant ici de ne pas resserrer les genoux d'un coup, au contraire. Ici, tout doucement, vous allez glisser vers l'avant. Vous allez vous laisser aller vers l'avant pour pouvoir ramener les genoux. Alors moi, je le fais un petit peu façon femme enceinte, mais retrouvez-vous sur le ventre. Si vous êtes enceinte, mettez le bolster sous le bas du ventre. Juste pour relâcher. On se retrouve sur le ventre, les bras, les mains sous la tête, sous le front. Relâchez les jambes. Moi, j'ai mis le bolster hein, pour pouvoir avoir ce ressenti d'être sur le ventre. Et vous lâchez complètement les hanches au sol. On va venir ici. Posez les mains de chaque côté de la poitrine, les coudes vers le haut. Donc si vous êtes enceinte comme moi, hop, vous mettez le bolster, sinon vous restez le ventre complètement posé au sol. Vous tirez les épaules vers l'arrière et on va aller chercher à ouvrir le cœur. Tirez les épaules vers l'arrière, inspirez. Et expirez, on redescend. On le fait encore deux fois. Inspirez, ouvrez le cœur, faites-vous de la place. Et expirez, relâchez. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Bien repousser, pardon. Repousse les mains. Repousse le sol avec les mains. Retrouve ta posture de l'enfant. Peut-être le bolster sous la poitrine cette fois. Et relâche. Tranquillement. Pour terminer ici, on va venir ouvrir un tout petit peu le cœur. Vous avez plusieurs options. Moi, je vais mettre le bolster en longueur, que je vais juste un petit peu surélever pour pas avoir une cambrure trop importante. Mais si vous aimez les cambrures assez importantes, sentez-vous libre de le laisser au sol. Si vous connaissez les variations avec les briques, je vous donnerai quelques infos dans les prochaines vidéos. Sentez-vous libre de prendre vos briques. Ici, simplement, on va venir tendre les jambes et on va venir s'allonger en s'aidant de nos mains vers le sol. On pose les bras dans l'ouverture. On relâche bien les épaules de chaque côté. On a vraiment le bolster ici. Hop, notre coussin qu'on a
mais dès le début de notre colonne vertébrale, dans le bas du dos, il n'est pas au milieu du dos, il est vraiment tout le long de la colonne. On ouvre les bras, on est dans l'accueil. On observe ce qui se passe. On inspire et on expire. Plus rien à faire, plus rien à vouloir, rien à attendre, tout est déjà là. Si vous êtes bien ici, restez le temps dont vous avez besoin, juste de sentir cette ouverture du cœur qui se crée. En quelques secondes, retrouvez ce sentiment de gratitude, cette sensation que procure la gratitude dans votre corps. Remerciez tout ce qui a fait que vous avez pu vous poser là, sur votre tapis, dans votre corps. Remerciez-vous vous-même pour le temps que vous vous êtes accordé à vous, rien qu'à vous. Dans une belle inspiration, passez sur le côté. Expirez, basculez. Venez vous rasseoir à la position la plus confortable pour vous. Main en prière devant votre cœur. La tête vers l'avant en signe de dévotion à votre corps, à votre cœur, à votre esprit. Et surtout à votre pratique. Namasté.